Que l'on sache, que l'on connaisse un peu vos compétences en sécurité, en intelligence économique. Suite à cette carrière au sein de l'IRS et l'IHEDN pour apporter ma compétence terrain et documentaire à ces instituts dans le domaine purement sécuritaire. IHEDN, c'est l'Institut des Hautes Défenses. Les Hautes Études de la Défense Nationale, l'IRS, c'est l'Institut d'études et de recherche sur la sécurité en entreprise qui est au sein de l'école militaire. Votre première rencontre avec Cyril, c'était début 2004. 2004, tout à fait. Dans un cabinet d'un avocat parisien, très connu, on ne va pas dire son nom, pour une réunion de présentation. Tout à fait. Lors de cette réunion, plusieurs personnes étaient là, en dehors de l'avocat et de Cyril et moi. Donc il y avait Jean-Pierre Denodin, qui est un expert réputé et de haute volée dans tous ces domaines-là. Qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Voilà, malheureusement décédé. Tout à fait. Lors de cette réunion, deux autres personnes étaient présentes, le but étant de valider sur le plan marketing et technique cette invention. Que la présence d'un ancien ingénieur retraité des services recherche et développement. Tout à fait, mais d'un groupe mondial reconnu, avec une compétence certaine aussi. Il a tout de suite compris de quoi on parlait et compris l'importance de l'invention sur les feux d'origine électrique. Il était lui-même accompagné d'un ancien responsable de l'une des plus grosses sociétés mondiales de distribution d'électricité. Tout à fait. Qui lui aussi a validé tout de suite cette invention. Ils ne se sont même pas posé de questions. Il n'a pas fallu 10 minutes pour qu'ils comprennent de quoi on parle. Et l'importance du projet. Ça a été l'évidence. L'évidence. Comme pour moi, l'évidence a été de voir tout de suite que ce projet allait sauver des milliers de vies sur la planète avec un objet simple. Cet ingénieur R&D, il a été sidéré car il estimait que c'était une innovation qui supprimerait la quasi-totalité des feux d'origine électrique et qui sauverait énormément de vies. Il a demandé à amener le dossier de présentation à son ancienne direction. Oui, ça a été refusé par Cyril pour des simples et bonnes raisons. C'est que lui savait déjà que par rapport à une personne de la même société, le projet ne passerait pas, il serait refusé. Pour quelle raison? Ah ben ça, je pense que ça gênait cette société que ce produit sorte par rapport à eux, leur lobbying général. Vous pourriez vous présenter de façon à ce que l'on comprenne surtout ce que sont vos compétences en électricité. Donc je suis M. Guignard Michel, je suis électricien, artisan depuis une trentaine d'années, compagnon du Tour de France, ancien administrateur donc de la Chambre des métiers et ancien président de CAPEB, électricien Charente. Vous avez travaillé sur des très, très beaux ou de très grands chantiers. Tout à fait. J'ai été amené à travailler sur le pavillon des Italiens à Versailles
et dans différents châteaux ou maisons bourgeoises sur la région, donc Charente-Poitou, Charente en général. C'est donc à la suite de cette amitié nouée que Cyril vous a parlé de sa trouvaille et de sa demande de brevet. Absolument, et je dois dire que j'ai réfléchi pendant pas mal de temps, j'ai même pas bien dormi la nuit parce que c'était pour moi quelque chose de tellement simple, tellement évident, et surtout que personne n'y avait pensé avant. Charles, bonjour. Bonjour. Vous avez déposé en 1999, c'est quand même un petit moment maintenant, une demande de brevet à propos d'un dispositif permettant de supprimer les incendies d'origine électrique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, dans les années 90, j'avais une entreprise et je faisais de la conception et l'installation d'installation électrique, justement, et de détection automatique d'incendie. Donc, il y avait un point qui m'apparaissait gravissime, c'est que même si on fait les installations le mieux possible dans les normes, on n'est pas à l'abri d'avoir un incendie d'origine électrique parce qu'un risque qu'on ne maîtrise pas et qui se situe précisément aux connexions, d'où mes recherches et le dépôt de brevet en 1999. Pourquoi est-ce que les connexions sont la quasi-totalité de la source des incendies ? Pour plusieurs raisons. La première est qu'on ne sait pas détecter à distance avec une protection classique, un point chaud, isolé. En pratique, qu'est-ce qui crée les incendies d'origine électrique ? 99% des cas, ce sont des feux qui démarrent au niveau des connexions, donc des points de connexion en général, tous ces points chauds. Et deuxièmement, plus les connexions, pour des raisons connues, ont vocation quasiment à créer ces points chauds indécelables. Jusqu'à présent, c'est la seule chose dans le domaine électrique qui n'est pas maîtrisée. De toute façon, tout le monde a connu une fiche brûlée en sortie de prise de courant sur une machine à laver ou sur tout autre système. Et c'est là qu'intervient l'invention de Cyril. Absolument. Même si on a des matériaux qui au départ sont parfaitement ininflammables, etc., lorsque ces matériaux ont chauffé suffisamment longtemps, ils ont vieilli, ils sont transformés, il y a tout un tas de changements qui s'est opéré, et après, simplement la chaleur excessive peut amorcer l'incendie. Donc il y avait un réel souci pour moi à ce niveau-là, par rapport à ma responsabilité, lorsque je livrais des installations électriques, il fallait pour moi que ce soit au top. Donc j'ai cherché. J'ai trouvé quelque chose de très simple, en fait, qui mettait tout le monde d'accord, c'est-à-dire le moyen fiable, économique et redoutablement efficace pour sécuriser ces points au niveau de la... Et comment se fait-il que personne ne l'ait trouvé avant ? Je sais pas. J'ai cherché un petit moment, j'ai pas compris. Un peu l'œuvre de Colomb. Peut-être, oui. Peut-être bien. Qu'est-ce que vous faites entre 1991 et 1999, pendant 8 ans ? J'ai des problèmes personnels familiaux, donc je m'occupe de ça en priorité. Puis ensuite, sur le fond, je me dis que c'est pas à moi de trouver ça, c'est pas à moi de m'en occuper. Et malgré que j'ai arrêté mon entreprise, je reçois, si vous voulez, sans arrêt, les catalogues des fournisseurs et les nouveautés. Et je me dis, mais personne n'a trouvé encore quelque chose pour ça, c'est grave. Donc je commence à m'intéresser donc pour déposer... un brevet pour pouvoir amener ça. Ce que vous faites en 99. Je monte à Paris voir un excellent professionnel pour rédiger cette demande de brevet. Je dépose un brevet le lendemain de la tempête qui a eu dans le sud-ouest en 99. En décembre 99. Ouais. Dès l'année suivante, en 2000, vous essayez de développer votre invention. Oui, c'est ça, oui. Donc je rencontre Michel Guignard sur un chantier assez incroyable en électricité d'ailleurs. Et c'est un excellent professionnel évidemment, parce qu'il est compagnon électricien Tour de France. Et après avoir déposé cette demande de brevet, je lui parle de ça. Donc il est sidéré, il dit oui, mais il faut vraiment que ça sorte. Et donc à ce moment-là, moi je m'adresse à Lanvard, et bizarrement Lanvard ne veut pas me recevoir, Lanvard Aquitaine.
Donc après avoir rencontré Cyril et après avoir pris conscience de l'importance de son invention, qu'est-ce que vous avez fait ? Mais dans un premier temps, on a été un petit peu frappé à différentes portes, notamment l'Anvar. Comment on ne peut pas développer sans appui ? On rédige une plaquette qu'on envoie aux industriels français, et entre autres, plus à des assurances, enfin tout un tas de choses. Nous avons donc à partir de là rédigé une plaquette et nous sommes dirigés, je dirais, vers les professionnels, les fabricants existants en France. On a pris la précaution d'adresser ces envois recommandés à R avec conseil d'huissier. À la suite de l'envoi de ce mailing, est-ce qu'il y a eu des retours ? Alors, dans un premier temps, il y a eu, j'ai envie de dire, peu de retours, sauf un rendez-vous de la part d'une très grosse société française. Oui, à quel moment ? C'était le 18 juillet 2000. On n'a pas eu de retour extraordinaire, on a eu un retour d'un industriel français. Et on l'a rencontré au mois de juillet 2000 à Angoulême, à l'hôtel Mercure. Un ingénieur donc, est envoyé par cette société pour expertiser l'innovation. Qu'est-ce qu'il en a pensé ? Il était un petit peu sidéré, quoi. Il a pas arrêté de prendre des notes. Il trouvait que c'était effectivement quelque chose de très très fort. Il a été, je dois dire, scotché. Pas d'objection technique de sa part. Aucune objection technique. On a demandé de lui garder presque en exclusivité. On lui a consenti une sorte d'exclusivité morale. L'autre côté du deal, c'est que lui a été très très vite. Donc vous avez été reçu au siège de la société. Oui, absolument. Oui, j'étais avec Michel Guignard et une personne qui était avec nous à ce moment-là également. Oui, et en face, qui était présent ? Il y avait le responsable de la propriété industrielle et il y avait le responsable recherche et développement de cette grande compagnie. Et quelle était leur attitude ? Ils étaient assez tendus et très hautains, donc ils ont dit on refait la norme NFC 1500, etc. Et ce qu'on a compris rapidement, c'est qu'ils n'arrêtaient pas de minimiser le marché, parce qu'ils voulaient simplement acheter le brevet, la demande de brevet à l'époque pour un seul tout compte dérisoire. Plutôt que de prendre l'argent et de partir, qu'est-ce que vous souhaitiez, Cyril et vous ? Ce qui semblait assez logique, c'est de. C'est de voir un minimum, si vous voulez, sur les ventes des produits, mais vraiment un strict minimum. Et surtout, l'importance, c'était que le produit puisse véritablement sortir. Et en faisant comme ça, on était sûr que le produit puisse sortir. Puisse sortir et donc sauver des vies. Ça, c'est tellement évident. C'est bien plus important. On pouvait penser que c'était aussi peut-être une stratégie pour enterrer cette demande de brevet et la laisser dans un tiroir. Donc on a préféré négocier un deal avec des redevances même très très faibles. C'était pas tellement une question d'argent pour nous, puisqu'on savait très bien que les marchés étaient colossaux. Donc même un dixième de centime de franc à l'époque à la pièce, ça nous suffisait amplement. Mais non, on n'a pas pu y arriver, c'était non. Mais sur le principe même de l'invention, est-ce qu'ils ont opposé techniquement, est-ce qu'ils ont eu... Non, aucune objection. Non, dans la négociation, si vous voulez, ils ont dit oui, c'est difficile à fabriquer, etc. Ce qui était ridicule, parce que c'est leur métier de fabriquer des produits industriels. Bien sûr. Et puis c'était très simple, donc c'était une farce, quoi. Mais sur aucune objection sur le principe même de l'invention, c'est-à-dire le phénomène que l'on crée, pour protéger les connexions, couper le courant, etc., parce qu'il y a une surchauffe, on n'a jamais entendu parler de ça. Au contraire, puisqu'il y a même des produits qui fonctionnent de la même manière. Donc,
C'est pas possible. Et comment est-ce que ça a fini cette... Après, si vous voulez, des courriers, tout un tas de choses, des complications à plus finir pour finalement noyer le poisson et ne strictement rien faire. Que ça commence à devenir très compliqué avec cet industriel, je prends contact avec un industriel qui lui est plutôt spécialisé dans l'industrie et pas du tout beaucoup moins dans le domestique. Donc je lui envoie une plaquette de présentation, je reçois à ce moment-là un fax, la direction générale faisait passer chez moi, ils ont l'air hyper intéressés. Et au dernier moment, tout est annulé, donc je ne comprends pas non plus. Et il demande à recevoir que le texte du brevet. C'est à ce moment-là qu'un des fabricants français resté silencieux jusque-là se manifeste auprès de vous. Oui, c'est nous, on a fait un envoi le 30 juin, et tout le monde a répondu assez rapidement, soit non, soit ils ont botté en touche, voilà. Mais lui, non. Et donc on a ce courrier qui nous tombe un peu du ciel, on ne comprend pas bien. Et donc on nous envoie des billets d'avion et on y va. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est assez exceptionnel parce qu'on entend des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Rendu à cette réunion, et là, ce qu'on a entendu était vraiment hallucinant. Il lit la demande de brevet in extenso. Il nous dit mais c'est bien, vous avez bien identifié la cause des incendies d'origine électrique. C'est exactement comme ça que ces feux démarrent. Votre système est parfaitement pertinent, donc ça prévient bien à la cause des incendies d'origine électrique. C'est bien les poches aux connexions, mais vous avez un problème. Premier fabricant, vous avez dit que c'était un marché marginal. Il nous a dit non, le marché est colossal. Il se vend plus de 120 millions de pièces par an de dispositifs de connexion. Donc c'est déjà ce que nous avait dit le premier industriel. Évidemment, on savait, mais c'était faux. Il nous explique que tous les fabricants français ont misé sur une technologie américaine. Un disjoncteur qui serait capable de détecter des arcs anormaux dans des circuits s'ils se produisent et de couper le courant. Des arcs ? Dans la demande de brevet qu'il vient de lire, il n'est pas question d'arc, mais le point chaud aux connexions. C'est ça. Il est donc en train de dire le contraire de ce qu'il vient de dire juste avant. Voilà, exactement. Donc il dit sans aucune gêne que les arcs, maintenant, 10 minutes avant, c'était pas ça. 10 minutes après, les arcs sont un cause essentielle des incendies d'origine électrique. Voilà. C'est-à-dire qu'il a vérifié donc toute la partie technique du brevet et il nous a dit que c'était vraiment génial. Et qu'effectivement, il y avait 120 millions de pièces qui pouvaient se vendre par an. Potentiellement 120 millions par an. Oui, absolument. Ce qu'il nous a expliqué à ce moment-là, c'est qu'en réalité, les Français avaient misé sur un autre système technique. Un système américain. Système américain, absolument. Donc évidemment, on ne comprend rien du tout. Il nous met entre les mains une plaquette publicitaire avec des courbes, etc., expliquant comment fonctionne ce produit. Donc nous pensons à ce moment-là que le système tel qu'il nous est présenté de détection d'arc en série ne peut pas fonctionner. Et donc on lui explique. Mais on n'y croit pas, et Michel Guignard n'y croit pas non plus. J'ai une bonne expérience des phénomènes électromagnétiques, puisque je vous ai dit que je m'occupais de détection automatique d'incendie. Pourquoi les États-Unis ? Qu'est-ce qu'on est en France, on n'est pas aux États-Unis ? C'est ce qu'on lui a dit, on lui a demandé également, on nous a dit parce que c'est comme ça. Il a répondu quoi ? On s'entend tous, les Français ont misé sur cette technologie, etc., etc. Donc nous, on ne comprend pas, on nous dit, mais attendez, il y a peut-être de la concurrence, etc., etc. Donc la concurrence, elle fait franchement rire, quoi. Oui, ça me paraît incroyable.
où il n'y a pas de concurrence, s'ils ont tous misé sur un produit américain, ou alors il y a une possibilité de concurrence, et si ce produit français est aussi génial, ils n'ont qu'à se lancer tout de suite la production. Oui, à part que là, il n'y a pas de concurrence, puisque tous les Français sont mis d'accord pour miser sur le système américain. C'est ce qu'il vous a dit, les yeux dans les yeux. Absolument. Il sort un connecteur d'un placard en m'expliquant ce que c'est, il me fait voir. Donc on trouve ça très bien. Et il nous dit, en souriant, vous voyez, ça a plus de 20 ans. Donc l'inventeur a payé ses droits de la propriété industrielle pendant 20 ans. On lance ce produit l'année prochaine. L'inventeur ne touchera pas un centime. Même si on nous avait bien dit qu'il y avait des oppositions, etc., on ne comprenait pas comment on pouvait bloquer un système qui pouvait sauver autant de vies. Donc on continue. Nous sommes maintenant en 2001. Oui. Que faites-vous ? On s'est renseigné sur le produit américain et les points de connexion n'étaient toujours pas sécurisés. Pour mettre en œuvre de manière pratique l'innovation, la technologie, je conçois une gamme de connecteurs sécurisés. Le connecteur sécurisé qui correspondait aux points les plus dangereux de l'installation électrique. Et donc je conçois ça simplement sur le papier, puisqu'on n'a pas les coûts industriels, on n'a pas une idée on n'a pas celui d'industriel avec nous pour faire le développement. Donc je fais toute la gamme, toute la partie design sur le papier. Et c'est là où vous contactez des industriels plus modestes. Ces connecteurs sécurisés, vous vouliez les fabriquer vous-même ? Oui. On cherche des industriels, des partenaires industriels pour fabriquer donc cette gamme de produits. Et en même temps, on cherche des soutiens pour valider, pour éventuellement lever des fonds. Donc on est parti dans un objectif de création d'entreprise. Donc vous me dites avoir rencontré des industriels plus modestes. Oui. Comment ça s'est passé ? Mais à chaque fois, même question, même réponse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils sont sidérés par le projet, ils nous écoutent. Ils le valident techniquement. Ils valident la totalité. Et puis, au bout d'un certain temps, on n'en entend plus. Bizarrement, on n'entend absolument plus parler. Et systématiquement comme ça. Sans aucune raison. Sans aucune raison apparente. Comment ça se passe ? Alors, tous les partenaires industriels qu'on rencontre sont sidérés par la technologie. Bien entendu, aucune objection sur le principe même, etc. C'est génial, super idée, etc. Les marchés sont colossaux, ils en conviennent aussi. Et bizarrement, à chaque fois, il n'y en a plus de nouvelles. Donc, on ne les voit plus.
pour des raisons qu'on évidemment ne comprend pas. Et sauf un qui, lui, est intéressé, il était spécialisé dans les connexions, fabriquer les connexions, il trouve ça super intéressant. Il y a eu tout de même un de ces industriels modestes, disons, oui, qui a fait un bout de chemin avec vous. Oui, absolument. C'était dans la région parisienne. Et donc, on s'est aperçu, en ayant accès au système industriel, qu'effectivement, le business, parce qu'on avait préparé un business plan, c'était absolument pharaonique. Et avec lui, on découvre à ce moment-là les prix industriels de fabrication. Et on se rend compte que le business est complètement hors norme, au niveau de rentabilité. Voilà. On se rend compte que les chiffres sont complètement déments. Et là, on comprend encore moins comment les industriels ont... Vous avez rencontré quels organismes professionnels ? J'ai rencontré l'Envar Paris pour essayer de démêler ce qui se passait sur Bordeaux, mais ça n'a rien donné. L'Union Technique de l'Électricité, l'UTE, l'ADRIR, j'ai contacté l'ADRIR par contre, le LCIE, Laboratoire Central des Industries Électriques, et j'ai été voir aussi Novelec Aquitaine. En février 2001, avec Cyril, vous rencontrez... Oui. C'est le secrétaire général de l'UTE, l'Union Technique pour l'Électricité, qui est une association qui représente la France aux commissions internationales de normalisation qui émet des avis techniques sur des procédés électriques. Qu'est-ce qui se passe pendant cette rencontre? Pendant cette rencontre, monsieur trouve l'invention des plus importantes. Il va proposer donc à Cyril de lui faire un devis, mais vraiment relativement peu cher, de façon à préparer un avis technique sur cette invention. Pas d'objection technique donc, aucune. Aucune objection. Ça c'était en février 2001. Que se passe-t-il ? Ça c'est intéressant parce que est pile spécialisé dans notre domaine d'application, donc on ne peut pas me tomber. Et là, il est sidéré, il dit c'est une d'utilité publique, vous vous rendez compte, enfin après on parle, non, c'est un point de vue commun, on est d'accord à 200% sur tout. Quoi. Voilà. Sur le plan technique, aucune objection. Non, aucune objection. Il pense que c'est quelque chose, comme je l'ai dit, d'utilité publique. Et il me dit, demandez un avis technique à l'UTE. Et pour quelque chose de cette importance, compte tenu des répercussions, on ne demandera pas très cher. Vous m'avez dit que vous aviez posé une question à ce spécialiste à propos des arcs. Je lui demande ce qu'il pense de l'idée d'aller détecter des arcs anormaux dans les circuits. Donc, il me fait répéter plusieurs fois, parce qu'il ne comprenait strictement pas de quoi je voulais parler. Et au bout d'un moment, quand il a compris, et puis ça ne sert à rien, et puis même si ça sert à quelque chose, c'est après pas trop tard. Vous avez été aussi en contact avec le Laboratoire Central des Industries Électriques, LCIE, oui, qui teste les produits. Oui, donc on lui a envoyé, si vous voulez, un plan de dispositif avec toutes les caractéristiques techniques de fonctionnement. Et donc lui nous a fait un devis pour tester le produit une fois qu'il serait fait, qu'on puisse le tester. Donc un devis reprenant toutes les normes. Donc
le produit évidemment attesté, le futur produit attesté, rentrait, s'inscrivait dans des normes qui existaient, c'est-à-dire toutes les parties du produit qui fonctionnaient s'inscrivaient toutes dans des normes qui existaient, donc il n'y avait aucune opposition normative. Et quand on voit que tout est bon, que les investissements industriels ne sont pas des choses qui sont infaisables, on décide de demander un avis technique à l'UTE de manière à avoir un appui pour lever des fonds pour lancer notre entreprise. Et alors ? Alors là, ce fut très bizarre puisque le secrétaire général nous dit qu'il va se renseigner et finalement il revient vers moi en disant que des experts dignes de foi s'opposent au principe de l'innovation et donc il n'y aura pas d'avis technique. D'abord, à quel titre il répond comme ça, et ensuite, est-ce qu'il en a le droit ? Ben, je ne sais pas s'il en a le droit, mais en tout cas, c'est ce qu'il fait. Et donc, on lui envoie une lettre recommandée à quelques jours d'exception, en lui demandant de nous fournir un devis pour cet avis technique parce qu'on le veut, et il ne répond même pas. Quelle a été la justification de ce refus ? Alors, selon des experts dignes de foi s'opposeraient systématiquement à votre technologie. Directement, absolument. Et du côté de Novelec ? Alors Novelec, c'est intéressant aussi, puisque je rencontre un ingénieur qui est très compétent. Il me donne l'impression d'être très digne. Il me dit qu'on aurait dû avoir des soutiens avec des projets comme ça, on aurait dû avoir le prix d'innovation, etc. Et il envoie le dossier directement à EDF Clamart. Cyril s'est rapproché de Novelec, une structure qui est proche de l'Électricité de France. Ouais. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Et vous avez été reçu ? Absolument. Nous avons été reçus donc, à Clamart, donc un siège EDF. À Clamart. Donc dans les locaux de EDF. Bien sûr. Complètement. Oui, bien sûr, complètement. Et là, un contrat de confidentialité a été signé, donc je ne peux pas parler de ce qui s'est dit à cette réunion. Dont acte. Pourtant, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire pendant ou juste après ce rendez-vous avec EDF. Effectivement, puisque juste après, Cyril a reçu un coup de téléphone de la part de... Donc, pas possible de parler de la réunion avec EDF, mais qu'est-ce qui s'est passé après ? Et bien après, ça se compliquait, et à ce moment-là, j'ai reçu un appel absolument hallucinant de l'UTE, donc entre milliers de heures de mémoire, et il me convoquait, il m'appelle en me disant « Monsieur Charles, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un avis technique pour votre innovation ?» Donc je me suis écarqué les yeux. Chose à laquelle ils étaient opposés auparavant. Complètement, ils ne répondaient même pas recommandé. Donc, je dis oui pour avoir la liste des experts dignes de foi que l'on n'avait pas. Et bien entendu, lorsqu'on reçoit la convocation, on a la liste des experts et bien sûr, on n'y va pas. D'autant qu'il nous dit qu'il faut que l'on vienne à pas plus de 2-3.
Vous n'allez pas être plus nombreux que nous quand même. Donc moins vous êtes nombreux, moins il y a de témoins susceptibles de... On peut tout imaginer. On peut tout... Enfin bon, c'est... ça n'arrive à rien, enfin, on ne comprend pas, donc on n'y va pas. Parlez-moi de Landvar. Landvar qui statutairement a pour vocation de soutenir les inventeurs indépendants. Lorsque je cherchais à lever à trouver des fonds en 2001, j'étais en contact avec un organisme semi-public de la région d'Aquitaine. Et cet organisme semi-public a été très intéressé par le potentiel du projet. Et puis je devais me rendre à leur siège et le rendez-vous était programmé. Il a été annulé au dernier moment, on n'a même pas été prévenu. Directeur de Landvar Aquitaine, qui avait dit que quoi qu'il se passe, il soutiendrait pas ce dossier. Incroyable. Au final, qu'est-ce qui est sorti de positif de cette année 2001? Alors, il y a eu quand même un événement que je qualifierais de primordial. C'est la rencontre avec Jean-Pierre Denonin, qui est un expert incroyable. Toujours en 2001, vous rencontrez un vrai spécialiste qui s'appelle Jean-Pierre Denonin. Oui, alors Jean-Pierre Denonin, en fait, était consultant pour plusieurs compagnies d'assurance. Et nous, on avait envoyé dès juin 2000, dans la plaquette, on avait ciblé les compagnies d'assurance. Donc, à force d'insister auprès d'une des compagnies, on dit, ben, nous, on a un expert qui a une compétence phénoménale, et on offrira quelque chose que si cet expert dit qu'effectivement, c'est hors norme, comme vous nous le dites pour la sécurité. Donc, je rencontre Jean-Pierre. Et je lui explique, c'est pas quelqu'un de très expansif, il dit pas grand chose. Plutôt réservé au départ. Oui, et... très réservé. Oui. Il prend le dossier et dit je vous rappelle. Voilà. Et il me rappelle une dizaine de jours plus tard en me demandant si la compagnie d'assurance nous a contactés. Donc je lui dis non. Il me dit il y a un problème, revenez voir. Et donc là, il est beaucoup plus clair, il me dit vous avez quelque chose de hors norme. Il nous a conforté dans tout ce que nous avions fait avant, il a validé toutes les phases techniques. Je vous demande si je peux travailler avec vous. Donc nous, évidemment, on était super contents. Et il nous fait un avis d'expert, et en nous donnant son CV, et là on prend connaissance de son CV, et on se rend compte que c'est un type qui a des compétences absolument incroyables, et qui est connu de manière internationale. Il partait sur l'objectif que cette technologie soit rendue obligatoire. Pour lui, c'est un élément basique de sécurité, donc c'est exactement ce qu'on avait ressenti. Il disait qu'il était souhaitable que cette technologie soit généralisée pour sauver le plus de personnes possible.
Donc, on se rend compte en fait que ça devient de plus en plus difficile en France. C'est très compliqué. Très compliqué, et vous décidez de vous tourner vers l'Amérique du Nord. On fait un rapport complet qui fait la synthèse, voilà, de Jean-Pierre et moi, qui fait la synthèse différente des différences pardon, qui existent entre les installations électriques d'Amérique du Nord et les installations électriques européennes. Il se trouve que nous, en France, en Europe, on a connu la Seconde Guerre mondiale qui a tout dévasté. Donc on a changé de tension dans les années 60. Donc on a opté pour des schémas de liaison à la Terre qui sont particuliers et que ne connaissent pas les Américains. Nous, les protections différentielles ont été installées pour protéger les personnes des électrocutions, des chocs électriques. Mais on s'est rendu compte, par répercussion, qu'en fait, ça protégeait en même temps énormément des risques d'incendie. Fin 2002, vous décidez de vous rendre au Québec. Oui, je pars avec ce rapport sous le bras. Je suis en relation avec un ingénieur québécois qui est assez connu, puisqu'il est rédacteur de la chronique mensuelle des nouveaux produits pour une grande revue d'électricité technique. Je parle là-bas surtout pour voir comment aussi on peut adapter la technologie que l'on porte, comment on peut éventuellement l'adapter au marché nord-américain. Et là, donc, c'est pareil qu'en France, les gens que je rencontre sont sidérés. Je me rappelle d'un contremaître de chantier qui finit par me demander ce que je viens faire ici. Donc je lui parle de ça. Et il me dit, mais t'as fait fortune, le feu démarque là, c'est sûr que nous aussi, le feu démarque là. Tu as fait fortune, tes produits, on sera obligé de les employer. Le feu démarque là, ça veut dire que le feu démarre aux connexions. Aux connexions, complètement. Les lois de physique sont les mêmes, donc même problème partout. Jean-Pierre de Donner reçoit une mission, alors qu'il est à la retraite des Alpes, donc il reçoit une mission pour une expertise d'une société française, une très grande société. Il faut qu'il parte pendant une semaine, dormira à l'hôtel pour expertiser un truc. Et Jean-Pierre non plus d'ailleurs, parce que quand il rentre, il me dit « je vois franchement pas ce que j'ai fait faire là-bas ». Une société du centre de la France, à ce moment-là, se dit hyper intéressée, ça va signer tout de suite. Bon. Le directeur général de la société, qui a plusieurs dizaines ou centaines de salariés sur les bras, prend une journée complète pour rencontrer le conseil de propriété industrielle. Ils se mettent d'accord, sur les contrats de licence. Il veut absolument nous présenter le président du directoire. On mange ensemble, enfin tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Sauf qu'il change d'avis. Et puis finalement, après, enfin, ça a duré, ils nous ont demandé des travaux, des trucs, que sais-je, quoi. Ils nous ont promenés, en fait. Ils nous ont promenés pendant 10-11 mois pour rien du tout. Et rien ne se fera. C'était pas une façon de vous épuiser et puis de vous faire renoncer finalement à tout effort et éloigner de vous l'idée d'aller chercher un Amérique du Nord. Ah mais c'est évident que moi j'aurais voulu retarder quelqu'un sans lui dire, j'aurais pas trouvé mieux à faire quoi, ouais. Hein, ou l'empêcher de partir. On a rencontré également une société allemande, très connue. Toujours en 2003. Toujours en 2003 avec Jean-Pierre Léonard, et à Paris, hein, siège parisien. Donc évidemment tout était validé. Et là, il était présenté au conseil d'administration de la société, une très très grande société. Et qui a répondu qu'il n'avait pas prévu de développement dans ce secteur d'activité. Donc voilà. C'est incroyable. Je crois que vous avez aussi rencontré un industriel qui vous a laissé supposer qu'il avait reçu quelques pressions. Oui, lui, il nous reçoit, toujours pareil, scotché, sidéré, toujours la même chose. Puis il nous rappelle quelques temps après, et là on sent que c'est quand même moins enthousiaste. Et il commence par nous refaire voir son usine, sous-traitée pour des grandes compagnies françaises, avec les marques de ces grandes compagnies françaises. Mmh. Et au restaurant, entre la poire et le fromage, il nous dira « Si je m'embarque avec vous, vous avez vu ce que j'emballe, j'ai plus une commande et je viens avec sous la porte. » En fait, c'est... Il fait face à un système mafieux. En fin 2003, nous verrons nommer à la tête de l'UTE un Français diplômé aux États-Unis et qui avait toute sa carrière dans les filiales d'un groupe industriel français. Nous trouverons finalement une publication de ce même groupe français indiquant qu'ils ont développé une technologie numérique récente capable de détecter les fautes d'arc. Ils disent en résumé, notre technologie est tellement avancée qu'elle permet la distinction entre les défauts d'arc et les arcs qui surviennent normalement, chaque jour. Le courant électrique ne sera coupé que si un défaut d'arc se développe. Cette société est la seule compagnie à avoir développé cette technologie d'interruption de circuit de défaut d'arc. Donc on peut penser que la technologie américaine n'était peut-être en fait qu'une technologie française exportée aux États-Unis et lancée par une société américaine. On s'est posé la question à ce moment-là. Ça aurait pu être une bonne explication. Pour la France, le problème reste entier. Donc on ne comprend toujours pas. Pour vous, c'est un peu, disons, l'année du découragement. Oui, on commence à être fatigué par tout ça, effectivement. Oui, ça, c'est vraiment, enfin, c'est pénible pour nous, parce qu'on a envie de travailler, qu'on a de l'argent à gagner, qu'il y a des vies à sauver, qu'on ne comprend pas bien, oui, effectivement. En 2007, donc 3 ans plus tard, à la fin, j'ai constaté qu'un projet de norme n'apparaissait plus sur les ordinateurs de la FNOR. J'ai essayé d'obtenir ce document auprès de l'UTE et l'UTE n'a jamais voulu me l'expédier malgré mes demandes et en fait ça a fini par une fin de non-recevoir. Est-ce que vous pouvez me parler de cet épisode, de cette norme ?
Oui, Jean-Pierre Danonna, devant toutes ces oppositions, dit qu'il faut qu'on aille à la FNAM quand même. Et effectivement, les normes sur les connexions et ces petits types de connexions datent à peu près de 1993, je lis ça de mémoire. Et ça a été légèrement retouché. Et donc là, on a la bonne surprise de trouver un projet de normes qui indique qu'on ne souhaite pas, lorsqu'il y a une surchauffe d'une connexion, qu'une perte d'isolant puisse amener un contact à la Terre. Donc évidemment, c'est à peu près, sinon exactement, le principe de l'innovation. De votre technologie. Voilà, donc ils disent que le sujet est en réflexion, mais pour le moment, on ne souhaite pas. Donc on est complètement sidéré. Il y a eu plein de rebondissements assez incroyables, les plus incroyables les uns que les autres. On a trouvé un industriel qui lui finançait, il avait de quoi financer quasiment tous les investissements industriels. On a juste la partie disons, marketing, financement du marketing à trouver. Et donc on était en train de tout mettre sur pied. Lorsque cette industriel m'appelle, disant vous avez déjà vendu votre brevet, vous... et en fait à l'INPI, il y avait une inscription, comme quoi j'avais déjà vendu donc une licence. Alors c'est très grave parce que si vous voulez... complètement faux. Bien sûr, oui, j'avais strictement rien signé avec personne. Donc mon conseiller en propriété industrielle avait écrit, il avait fait tout le nécessaire pour que ce soit rectifié. Et c'est encore du truc... Enfin lui m'a dit de ne jamais avoir vu cela encore. C'est peut-être une coïncidence. Ça fait beaucoup de coïncidences pour un seul et même dossier. Jean-Pierre Danonna, en désespoir de cause, s'est tourné vers une compagnie d'assurance. On est reçu donc par plusieurs experts. Ils arrivent à la conclusion qu'en fait, on va supprimer simplement les feux les plus dévastateurs et les plus meurtriers. Ce que l'on peut, évidemment, ça paraît très bizarre, quoi, puisque une grande compagnie d'assurance peut dire on soutient une entreprise innovante, donc en mécénat, on verse de l'argent, puisqu'on avait les indemnités, on avait tout pour le développer. On n'a pas de structure spécifique, donc on ne fait rien. Il aurait pu en créer une structure. Il peut faire ce qu'il veut. Évidemment. Donc ça a été en fait, malheureusement, la dernière réunion de travail avec Jean-Pierre, qui est tombé malade. Juste après. Oui, là, Jean-Pierre, qui venait donc de prendre sa retraite, est tombé malade très gravement, donc complètement après handicapé. Enfin, c'était vraiment très, très pénible pour le pauvre, c'était vraiment très très difficile. Il est mort en 2005. Il était super dévoué pour plein de choses, il s'est mis en quatre et il voulait vraiment que ce dossier sorte. Donc, en France, manœuvre. Blocage, intimidation, déstabilisation, dossier torpillé. Donc Cyril se tourne vers les États-Unis et chaque fois qu'il a prévu quelque chose avec les États-Unis, comme par hasard, des manœuvres sont mises en place et pour complètement bousiller tout ce qu'il a préparé. En fait, tout a été fait pour tuer la chose dans l'œuf. Ah, complètement. On ne peut pas faire mieux.